Surveiller de très près. La semence déjà. Ah bah la semence est aussi contrôlée parce qu'une fois que c'est semé, on doit renvoyer toutes les étiquettes des sacs semés à la DDT. Voilà. Pour pouvoir déclarer la dose qu'on a semé, le nombre de sacs qu'on a semé, la surface. Donc en fait, c'est très strict comme culture. En gros, c'est une culture qui on se lance pas comme ça dans le bon emmené comme certains qui ont fait croire que le chanvre est tout petit. Puis là, vous voyez, là, le chanvre, il est vraiment, il est même plus grand que mon maïs. Hein. Et encore. Ouais, il est pas. Là, il est à la même hauteur. Ouais, il fait ça. 2m20, 2m30 et encore, à la concession l'autre jour, il y a un gars qu'on a ramené, il faisait pas loin de 3m de haut, 3m50. Ah ouais. Facilement. Quand il a des conditions poussantes, bah, quand les conditions poussantes, et puis après, bah, aussi le type de sol, parce qu'il l'avait ramené, c'était un état de marais, donc tout de suite, il a déjà plus de fond. Ah oui, oui, oui. Donc bah, tout de suite, bah, le chanvre, il pousse hein, quand il y a de la réserve dans le sol. Hein. Ici, c'est de la craie, donc. Ouais, c'est de la craie, donc voilà. Donc, de toute façon, c'est pour ça que je ne bats pas la graine aussi, tout simplement parce que. Ouais, voilà. Pour ceux qui se rappellent à ma vidéo, la dernière, elle avait battu la graine. Là, on fauche carrément pour les ballots. C'est ça. Là, pour faire des ballots, parce que le sol n'est pas ni prête pas pour faire du grain. Bon, bien qu'en blé, on arrive des fois à sortir 90 quintaux. Hein. Une année, c'est on arrive à sortir 80 quintaux. Mais en chanvre, c'est tellement gourmand en énergie et puis en nutriments que. Ah ouais, faut nourrir la plante là, ouais. La graine, elle pompe à touche dans le sol et ça n'irait pas. Donc de toute façon, on peut regarder. Ouais, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, vous voyez déjà ouais, là. C'est, la... on voit alors, rien. C'est l'eau qui la crée hein, d'ailleurs. C'est, voilà. C'est là et en dessous, vous êtes à 20 cm, une fois qu'on la bourre. Il y a la fraîcheur. C'est des gros blocs de craie. On sort des blocs de craie sans exagérer comme ça. Ouais, ouais. Mon cousin serait là, il pourrait vous le dire. Lui qui laboure très profond aussi. Et il laboure donc on essaie de pas labourer trop souvent. Alors, mais bon, est-ce que c'est une terre qui manque beaucoup d'azote par exemple au chanvre? Ah bah le chanvre est très énergivore en azote, c'est une plante qui est très on va dire qui est très énergivore, qui pompe l'azote. Bah de toute façon c'est bah, la solution azotée qu'on apporte hein, l'azote, les nitrites. Bah, pour vous donner une idée, on apporte en deux fois, je crois que ça doit être 175 unités d'azote qu'on met chez nous. Ah ouais, c'est comme un blé. Enfin. Comme un blé quoi, mais bon, je crois que normalement tu peux pas l'apporter une seule fois, il faut l'apporter deux fois. Oui, 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 bah nous la directive nitrate oui, c'est deux fois. Blé, c'est pareil. Comme le blé, tu peux mettre deux fois 80. Ouais. Le blé, on peut le fractionner soit, il y en a qui le fractionnent ici, par ici, c'est souvent trois fois, on fractionne en trois voilà. Apports. Il y en a qui le font en deux fois. Il y en a, ça peut arriver en quatre, mais c'est très rare. Ouais. Et puis après, bah de toute façon, hein, c'est qui commande. Hein. C'est Dame Nature, c'est voilà, la pluie, c'est ouais. Dame Nature, Madame c'est... Marianne, la météo. C'est Dame Nature qui contrôle, hein. Ouais. Thank you.
on y va. Ici quoi. Ah ouais, toute cette partie rentre dans la... Bah parce que ouais. Le problème c'est que la machine après faut qu'elle avale derrière. Ouais. Donc plus t'en en manche, moins tu roules vite et plus le batteur pour autant faut qu'il en manche. Non, c'est pas une ancileuse, ouais. Ah bah non. Bah moi l'année dernière, pour te dire, d'habitude on roule à 3 km/h avec mon père. Ouais. L'année dernière j'ai réussi à monter à 6. Ah c'est pas mal. Parce qu'il était pas génial, l'année dernière tu sais il a fait sec au printemps. Ouais. Au mois d'avril nous il a poussé en 2 fois. Ouais. Donc tout de suite et puis après pour essayer d'être rectiligne, pour avoir des vagues tout ça, tu sais de toucher la même hauteur. Donc j'ai réussi à pousser un peu le manche, bon, du coup on avait fait 15 tours. Parce qu'habituellement ça fait combien en quintaux? 8-10, on peut taper 8-10 quintaux. Ah c'est pas mal. On peut taper 10 quintaux en dans les bonnes années. L'année dernière on a fait 4. Voilà, oui, d'ailleurs c'est pas terrible. Là, cette année normalement ça devrait être un peu mieux normalement. On verra bien, de toute façon, quand, tant que c'est pas dans le. Et c'est. Quel indice? Oh là, Des 300 ou. La variété, je sais que c'est du Pioneer, c'est du P86-87, un truc comme ça. Parce que ça, c'est beaucoup plus en retard que nous. Parce que moi, début avril, ils sont déjà finis de fleurir. Enfin, c'est comme moi. La fusée s'est cramée, ouais. Enfin, comme moi. Ouais. Attends, je peux te dire quand est-ce que je l'ai semé. Mais lui, je crois qu'il a fait un peu après moi. Non, c'est pas ça, Nico. Tu l'as pas fait après moi. Oh, j'ai semé tard. Oui, c'est ça, il a eu. Parce que moi, j'ai semé. Parce que comme j'avais du régras, tout ça. Ah ouais, pour... Détail. Exactement, je l'ai semé le 9 mai. Ah oui. 9 mai, ah ouais. Ah oui, voilà, parce que nous, on l'a semé beaucoup plus tôt que ça. Hein. D'accord. Ah oui, je sais, c'est très rare qu'on sème au mois... Bah, c'est parce qu'on l'a semé au mois d'avril, on devait semer au mois d'avril. Ouais. Parce que avant, je fais du régras, moi, pour les vaches. Ouais. Et puis, après, à l'instant, dépend de fumer, de labourer, de préparer, de mettre l'azote. Et puis après on a commencé à semer, sauf qu'il s'est mis à flotter 20 ou 30 mm. Ah, oui, oui, c'est vrai. Et puis j'avais été emmerdé avec le semoir, et donc en fin de compte ça a décalé d'une semaine, donc j'ai semé de mai. Là toi ta fusée... Ah bah si. Mais ils vont avoir 2 fusées aussi, là. Ouais. Ouais, t'es comme moi. Ils commencent, ouais. Ça commence à être un peu plus, plus développé, mais tu vas avoir comme moi. Oh mais c'est pas sur tous les pieds. Il est moins haut, par exemple, mais ça va peut-être... Mais on voit bien la terre. Il y a 2 ans, il était moins haut que ça. Ouais, un mec qui pointe là, c'est bizarre, mais pourtant tout ce qui est tombé quand même. Mais ça fait un moment qu'il n'y a pas tombé d'eau. Ah ouais? Ouais, ouais. Ah oui. Oh, et ça fait chaud, hein. Il est en stress. Peut-être que la fraîcheur, les feuilles souffrent un peu plus.